On a ça. Et on doit mettre tout ça dedans. C'est parti, hein. Première étape du voyage accompli. Il est content. Et l'objectif, ça va être de faire une... C'est ça qu'on veut. Donc comme vous le voyez, on part en bis. C'est cool, là. Ça, je me rappelle. Petite gang. Bonjour, Pensée Volotea, si que ce soit, je suis là. Et du coup, en vol, il y a les gens qui regardent les films, comme moi. Genre, j'ai 10 000 films de prévu. Et puis, il y a Boris. Où sont ceux qui c'est franchement, si je regarde tous les films que j'ai mis en favori, je dors pas du vol. Ça y est, on arrive à l'hôtel. La montagne, elle est pas là. Ça y est, ça se prend déjà la tête. On a vu la montagne par là, on va pas aller. C'est pas là. Et ah bah voilà. Ah voilà, premier truc. Les chaussettes ici, t'as... C'est mon objectif de trouver des chaussettes. De nos affaires à l'hôtel, on a la chambre qui est à 14h, donc on s'est vite changé, mis des trucs un petit peu plus tranquillou. Et c'est parti pour la journée, on enchaîne. Du coup, on n'a pas vraiment beaucoup dormi, on est un peu KO. 24. Mais ça va aller, on dormira bien ce soir. Theo is the guide. C'est où le tower, la November Tower. Du coup, pour accéder à cette tour, on a pris un téléphérique juste l'aller, et le retour on le fera à pied à travers la forêt. Il fait hyper humide, on a super chaud, mais franchement ça vaut le coup. C'est dégueu. Bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme on a une journée à rallonge, on est parti se reposer un petit peu dans l'hôtel.
Et enfin, pu prendre la chambre, poser les valises. Et bien évidemment, on voulait faire une sieste de maximum 20 minutes. On a fait une sieste d'une heure. Donc là, je me prépare rapidement et on va faire un tour dans le marché. Le marché de Myeongdong. C'est l'anniversaire de ma maman. Donc on va aussi aller au resto, manger un barbecue coréen. Truc traditionnel, repas traditionnel coréen. Je vous ai pas encore présenté la team, mais je le ferai demain. Aujourd'hui parce que d'une part je suis pas encore très à l'aise à parler comme ça dans la rue et deuxièmement on était tous très éclatés avant de pouvoir faire une sieste et voilà, prête à repartir, c'est parti. I feel good. Et il y a plein de trucs à manger, à boire, à acheter, des souvenirs, c'est trop cool. Et c'est juste à côté de notre hôtel, donc vraiment on est super bien placé, c'est vraiment trop cool. Des guillotards. Oui. Le fameux truc à la bave d'escargot. Ah ouais, mais ils te vendent tout là, pour 850 000. Premier repas. Ça c'est des petits poissons ça. Pour mon ami. Donc on était parti à midi. Samedi de CDG et donc on est arrivé dimanche matin à Séoul. Là du coup on vient de terminer notre double journée. Ça aurait été une journée très longue du coup. On était bien KO et sinon c'était la première fois que je vloguais. Et j'avoue que c'est pas du tout évident au début. Enfin, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir, donc c'est chouette. Je suis contente de tester ce nouveau truc. Moi, je vous dis à demain. Je suis éclatée, faut que j'aille dormir. Des bisous et à demain. Bye! Mise au point. Voilà.